Trafic d'or, enquête en cours. L'enquête est actuellement en cours concernant les 73,5 kilos d'or en provenance de Madagascar et saisie à l'aéroport de Johannesburg. Sur les 5 personnes impliquées, l'une est encore recherchée par les autorités, une seconde est retenue en garde à vue par la douane malgache. Les 3 autres sont retenues par les autorités sud-africaines. Par ailleurs, plusieurs personnes sont en cours d'audition. Dans cette affaire, la douane a tenu à préciser qu'elle n'a pas été saisie pour les formalités d'usage au départ, ce qui explique son absence au départ du vol à l'aéroport d'Ivat, où les passagers et bagages ont embarqué. La gendarme, la douane et la police des frontières n'auraient été au courant du vol qu'au moment où l'avion qui a transité à Toliar pour s'approvisionner en carburant a pris son envol. De son côté, le ministère des Mines se dégage aussi de toute responsabilité, indiquant qu'il n'a délivré aucune autorisation d'exportation d'or. L'enquête sur cette affaire devrait être clôturée avant le 12 janvier prochain, date de l'ouverture du procès en Afrique du Sud.